Salut! Ce soir, j'étais pas là pour l'update de Kitsune et je crois que, en fait, peut-être que c'était une bonne chose puisque quand je suis revenue, je me suis jetée sur les messages Discord pour savoir comment ça s'était passé et je suis tombée sur plein de messages de personnes qui n'avaient pas reçu leur Kitsune en échange de leur paiement de Robux et qui donc étaient très très inquiètes de savoir ce qui se passait. Donc, je suis venue évidemment voir sur Twitter. Voir un petit peu ce qui se disait à propos de ce Kitsune, savoir s'il y avait eu des messages. On voit un petit peu la devanture du magasin. Alors, je sais pas, on va aller en jeu tout à l'heure hein, pour aller vérifier tout ça. Mais apparemment, c'est comme ça, c'est super mignon, je trouve. Voilà, le magasin fait des soldes, 50%. Tout est soldé. En tout cas, les pets sont soldés. Peut-être les jouets aussi, est-ce que ça a été changé? Où est-ce qu'on trouve le Kitsune? Est-ce qu'on le trouve là devant? Où est-ce qu'il est à l'intérieur? Je ne sais pas. On va aller voir. Mais il y a effectivement un message pour prévenir. Nous sommes au courant qu'il y a un... On va traduire. Heureusement, il y a la traduction de Google. Voilà, nous sommes conscients d'un problème où certains joueurs n'obtiennent pas leurs animaux de compagnie après les avoir achetés. Nous l'examinons en interne, mais ne vous inquiétez pas, nous vous assurons que vos nouveaux animaux de compagnie arriveront bientôt chez vous. Et ensuite, un autre message, si cela vous est arrivé, s'il vous plaît, essayez de rejoindre à nouveau le jeu. Voilà, parce que le problème a dû être réglé entre-temps, je suppose. Donc si jamais ça vous est arrivé, je me suis dit, je vais faire une vidéo de suite, parce que peut-être qu'il y a des personnes inquiètes. Si jamais ça vous est arrivé... Eh bien, essayez de rejoindre à nouveau le jeu. Il y a eu un autre message à nouveau une heure plus tard pour dire que le Kitsune, l'update du Kitsune a atteint plus d'un million de joueurs en ligne. Donc, et nous espérons que vous appréciez l'update. Donc, je suppose que s'ils mettent ce message-là, c'est que, regarde, on voit le 1 million ici. Ils doivent être super contents, l'équipe d'AdoptMe. J'imagine que s'ils mettent ce genre de message, c'est que, franchement, il ne doit plus y avoir de problème pour récupérer son pet. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ensemble. Allez, il est... quelle heure est-il? Il est 2h42 du matin. Donc, eh bien, pour une fois, je vais aller en serveur public. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en train de jouer. Peut-être que j'ai des chouchous qui vont me voir en jeu. Je ne sais pas, des chouchous qui seraient abonnés à moi et qui donc me verraient. Allez, on voit le joli panneau, 50% de réduction dans le pet shop. Les soldes qui durent 2 semaines et le Kitsune pet. Il faut appuyer pour le unlock. Donc dès le départ, on l'a pour 300 Robux. On va annuler parce que je veux vraiment aller le voir sur place. Oh là, je peux récupérer mon calendrier, tiens, tant qu'on y est. J'en suis où? Bientôt l'étoile, regardez ça, 550 et j'ai 540 étoiles. Et encore quelques connexions, puisque là, il y a 20 étoiles. Donc, quand j'arriverai à ce jour, au jour de l'œuf, eh bien, je pourrai récupérer l'étoile. C'est pas formidable ça? Il me tarde tellement. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour aller chercher le Kitsune. Est-ce que vous voulez qu'on aille en cliquant là? Pourquoi pas? Téléporter au pet shop? Oui. Alors voici là, on est dans l'entrée. Oh, regardez, les pets sont pas du tout à l'endroit de d'habitude. On a fait le tour lors dans ma vidéo que j'ai postée hier en fin de journée. Justement, j'avais fait exprès de faire le tour du pet shop pour voir comment c'était fichu. Donc le panda est à moitié prix. Non merci, pour l'instant je ne vais pas en acheter. Le cheval, ça va être la même chose. Voilà, 150. Donc on les retrouve ici. Ils les ont mis quand même à différents endroits. Cette colonne est vraiment très cassée, elle était comme ça? Je me rappelle pas trop. Est-ce qu'ils en ont profité pour vraiment tout changer? Alors, il y a des pets un peu partout en fait. Un griffon ici, un nouveau un panda là. Slot et ici, qui trône au milieu, le Kitsune. Alors attendez, je vais d'abord faire un petit tour, voir ce qui se passe par là. On peut le débloquer, c'est ça? Oui. 300, 300 Robux, du coup ça peut valoir le coup pour le griffon. Parce que le griffon est quand même super cher. Alors je suis un peu déçue. Ah, regardez ce qu'il y a là. Le cheval est là. Vous l'avez vu derrière? C'est rigolo. Donc on peut aller jusqu'au cheval là-bas derrière. Vous connaissez l'astuce pour rentrer derrière cette porte-là. Bon, Astro Ball est toujours là. La Discoplosion que j'adore. Regardez comme c'est chouette.
Hop, fiesta. Est-ce que vous croyez que le pet va danser? Ça serait drôle. Non, mais moi, oui. Alors, Kitsune, voyons un petit peu comment, à quoi tu ressembles. Super mignon. Bon, ben, on va faire le test, hein, on va l'acheter, puis on va voir s'il est débloqué ou s'il reste coincé sur son piédestal. Est-ce que c'est moi qui n'avais pas appuyé sur le bon truc? Donc, vous voulez acheter le produit Pet Kitsune, on va l'acheter. Hop. Et le voici, le voilà. Donc, j'ai mon pet. Voyons comment il court. Voilà, juste il court derrière moi. D'accord. Hop, on va le prendre un petit peu dans les bras. Alors, je trouve vraiment ces couleurs très jolies. La couleur des pointes, là, cette petite collerette, les oreilles. Je trouve qu'il est très réussi. Il aurait été tout blanc. Peut-être que ça m'aurait plu un petit peu plus. Il me tarde de voir comment il sera en néon. Alors, je ne sais pas si je vais attendre que d'autres personnes le fassent ou si je vais m'empresser de le faire. En tout cas, il est super mignon. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à le faire grandir. Et puis à lui faire faire ses tours, évidemment, à l'école. Oh là là, vraiment, quel joli animal. Vous avez vu un petit peu les différentes animations donc dans ma vidéo d'hier. Je le trouve trop, trop chouette. Si je l'amène à l'école pour l'instant, est-ce qu'il a déjà un premier tour? Je ne me rappelle pas si dès la naissance, dès l'adoption, s'il est déjà en train de savoir faire ses tours. On va l'amener à l'école, même si ce n'est pas le moment du tout de l'amener à l'école. Et puis, je voudrais vérifier ça. Allez, Kitsune, voyons si tu arrives déjà. Allez, hop, entraînement. Ah, il va au moins s'asseoir. Regardez, il comprend rien. Et puis, il veut des pizzas, il a faim. Il fait la tête, il ne sait pas trop. Oh, bravo. Voilà, donc déjà, un premier tour pour Kitsune. Il m'est temps de lui apprendre d'autres choses. Donc là, c'est la position qu'il a sur son piédestal. Hop, voyons, tricks. S'asseoir. Et puis, il ne reste plus qu'à le faire grandir pour voir les autres tours. Alors vraiment, je vais me dépêcher parce que les tours qu'on a vus sur Twitter commencent à... Voilà, ça me fait bien envie. J'ai bien envie de savoir. Donc déjà, hop, il a sommeil. Chut, tu vas venir dormir ici. Et puis, je vais continuer à m'occuper de toi un petit peu cette nuit. Là, le temps de poster la vidéo, Kitsune, si tu permets. Et puis, demain, voilà, je te ferai babysitter puisque j'ai des super babysitters du gang des chouchous qui sont toujours prêts à m'aider, et donc je pense que... Mais regardez comme il est super mignon quand il est allongé. Oh là là, j'adore. Mais oui, ça va devenir un de mes pets préférés, même si vous savez que mon pet préféré, bien sûr, c'est Ombre. Mais le Kitsune va devenir un de mes favoris, je sens. Je viens de sortir de l'école, et alors vraiment, on dirait que je suis sur un serveur privé. Regardez ça, il n'y a absolument personne. Comment ça se fait? Il n'y a personne nulle part. Et pourtant, je vous assure, je ne suis pas du tout sur un serveur privé. Regardez, je suis sur un serveur... Ah ben regardez, il n'y a quasiment personne. Qu'est-ce que c'est ce serveur? C'est un serveur public, je ne connais pas les gens qui sont là. C'est drôle. Bon, mais c'est pour ça alors. J'étais en train de me dire, non mais c'est pas normal. Bon, bah ok, mais parfois, on peut jouer sur des serveurs publics. Ou qui sont vides. Hein. C'est bizarre, c'est dommage. En plus, j'avais vraiment envie de voir du monde un petit peu, voir si les gens avaient leur Kitsune ou pas. Et bien, c'est complètement raté, mon pauvre Kitsune. Allez, et bien, je ne sais pas. On va aller faire un petit tour en véhicule. Qu'est-ce qui pourrait aller bien avec lui? Je vais regarder. Qu'est-ce que c'est en ce moment, d'ailleurs, au cadeau? C'est quoi? C'est le véhicule banane? Oh, non, ça va pas du tout avec lui. Qu'est-ce que j'ai comme véhicule là, avec la dame? Truc de clown? Non, je sais pas. Ça? Parce que c'est rapide et il a l'air rapide. Est-ce qu'il monte dedans? Ah mais non, il monte pas dedans puisque c'est un véhicule à une seule place. Ça. Et comme ça, il vient à côté de moi. Regardez, est-ce qu'on n'a pas fière allure? Mon Kitsune et moi. Allez, go. On va aller, je sais pas où, à la maison. On va faire le tour de l'île. Puis je mets ma maison là, en fait. Chut. Voilà, nous sommes arrivés. Vous avez vu comme ça a été rapide? Ah, il faut que je lui montre sa maison. Hop. Maison de thé. Regardez. Ah. Attendez. Il faut qu'on ressorte parce que j'ai envie de faire un truc. Voilà, et mon Kitsune a disparu. Je vais le retrouver à l'intérieur pour lui donner sa douche. Et commencer déjà à m'occuper de lui pour le faire grandir. Hop. Allez, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si la mésaventure vous est arrivée, vous êtes rassuré. Ou si vous connaissez quelqu'un à qui c'est arrivé, vous pouvez le rassurer ou la rassurer. Il suffit peut-être juste de rejoindre le jeu pour retrouver le Kitsune dans son inventaire. En tout cas, dites-moi si c'est le cas. Si jamais c'est pas le cas,
Il faut vraiment pas hésiter à contacter Adopt.me. Il y a un support sur le jeu, je crois. En tout cas, sur voilà, quand on clique sur le jeu avant d'entrer dans le jeu. Et puis voilà, ils ont un email ou sur Twitter. Éventuellement, vous pouvez leur envoyer un message. Voilà, les chouchous, amusez-vous bien avec vos kitsune. Je vous prépare d'autres vidéos sur ce renard très spécial et sur comment avoir un kitsune si on n'a pas de Robux. On va essayer, on va faire des tests. J'espère que ça fonctionnera. J'espère que si vous en voulez un, vous réussirez à en avoir. N'oubliez pas, moi j'ai plein de chouchous qui n'ont pas de Robux et qui finissent par obtenir leur pet de rêve, des dragons, des véhicules légendaires ou des véhicules qui coûtent des Robux. Donc tout est possible, il faut vraiment, vraiment croire en ses rêves. N'hésitez pas à croire en vos rêves et vous réussirez à les réaliser. Je vous souhaite une bonne journée, amusez-vous bien, salut !